esprit sur le plan international. Enfin, surprenant dénouement dans le cadre d'une affaire criminelle. Lucienne Blanchard, 82 ans, est décédée hier matin à Paris après avoir été percutée par une camionnette. Les policiers ont trouvé de nombreux produits pharmaceutiques interdits à la vente dans l'appartement de l'octogénaire. Ils n'ont pas tardé à faire le lien avec plusieurs décès par empoisonnement non élucidé et tous localisés dans les environs de son domicile. Après enquête, les forces de police ont découvert la face cachée de la vie tranquille de Lucienne Blanchard. Elle demandait de l'aide à de jeunes personnes pour monter ses courses jusqu'à chez elle. C'est là qu'elle servait un rafraîchissement contenant une dose mortelle de médicaments. Un procédé qui lui a déjà valu le surnom d'empoisonneuse aux grosses commissions. Reste encore à faire la lumière sur les circonstances exactes de sa mort, puisque certains témoins disent l'avoir vue accompagnée juste avant son accident. Merci Patrick pour ce bulletin d'information.